Bonjour. Alors j'ai 17 ans. Alors je viens de France, dans la région du Loire-Atlantique, dans la ville de Nantes. Alors moi je suis venu pour la dépendance au niveau du cannabis. Alors, j'ai remarqué que c'était un problème vers les 2 derniers mois avant de venir ici. C'était très compliqué pour moi de vivre avec ça. Donc, j'en ai parlé avec mes parents qui ont cherché la clinique et qui ont trouvé la clinique du coup. Parce que je voulais changer ma manière de vivre. J'en avais marre de devoir consommer pour être bien. Je voulais Enfin, je voulais changer, c'est ça que je voulais. Et du coup, voilà. Alors, c'est pas moi personnellement qui ai trouvé la clinique, c'est mes parents du coup qui ont cherché sur internet, qui ont, je sais pas après qui ont trouvé, par recommandation peut-être aussi. Et après, c'est eux qui m'en ont parlé. J'ai mis du temps avant de me décider à venir parce que j'avais pas le courage peut-être de venir ici au début. Donc j'ai mis un peu du temps avant d'accepter de venir ici, mais au final je suis quand même venu. Et je regrette pas parce que c'était une bonne décision de ma part et de mes parents aussi. Alors les gens ici sont très chaleureux, très gentils, bienveillants aussi. Donc franchement, c'était sympa. Je regrette. Enfin, c'était vraiment cool. Ça m'a mis dans le bain un peu. Donc c'était sympa. Alors, une journée type à la clinique, on a des activités qu'on peut faire. Enfin, on se lève le matin à 8 h, on prend un petit déjeuner pour ceux qui veulent. Ensuite, on peut déjà commencer à partir de 10 h à faire des activités en bas. Donc, du sport, des activités, je sais pas comment ça s'appelle, physiothérapie, tout ça. On peut faire ça. Ensuite, après, on peut faire un peu ce qu'on veut. On peut traîner dans le salon, aller dans le jardin dehors. Enfin, il n'y a pas d'obligation particulière, enfin, on est un peu libre. Donc c'est ça aussi qui est pas mal comparé à d'autres cliniques, par exemple en France, c'est totalement différent. Et donc c'est ça que je trouvais assez intéressant là-dessus aussi. Ah, et aussi, ouais, j'ai oublié de parler des traitements aussi qu'on a aussi à midi. Non, à 14 h, pardon, à 18 h et à 22 h. Qu'on prend pour être, je sais pas comment dire, pour être, enfin, essayer de dépasser la dépendance. On voit des docteurs, on voit une psychologue qui est vraiment super. On parle aussi tous les matins au médecin, savoir comment on va. On nous pose des questions sur enfin, comment ça se passe, si on dort bien, si tout se passe bien pour nous. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Ouais, je pense que j'ai fait le tour. Je dirais la partie surtout avec la psychologue. J'ai bien aimé ça, permis d'apprendre des choses sur moi aussi. Puis aussi la physiothérapie, enfin toutes les activités qu'on peut faire en bas, je trouve ça sympa. Il y a plein de trucs à faire, c'est aussi original. Je me sens mieux qu'avant d'arriver, en tout cas, c'est sûr. Après, je sais que ça va être avec le. C'est une question de temps que je dois me laisser pour vraiment redevenir. Normal entre guillemets, mais franchement je me sens beaucoup mieux qu'avant d'arriver, je me sens un peu libéré de ce poids de qu'est la dépendance, donc franchement je regrette pas d'être venu. Franchement je leur dirais qu'il faut pas hésiter à venir, franchement ils nous accordent une deuxième chance pour redevenir des gens normaux, j'ai envie de dire ça comme ça. Et il faut vraiment la saisir, parce que c'est mieux, enfin, c'est le mieux qu'on puisse faire pour nous-mêmes. Et franchement,
C'est la meilleure décision que moi j'ai prise depuis longtemps.